wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Non. Ça ne fait pas rire à moi. Ah, Kayla, c'est les couvertures pour le lit. Et trop bien. Et Aaron, j'en ai donné déjà. Allez, c'est parti. Coucou tout le monde, je vous prends juste maintenant. Enfin, vous auriez eu l'ouverture des calendriers de l'avant de Kayla, mais moi, je ne vous prends que maintenant. J'étais en train d'emballer les derniers cadeaux donc, que j'ai reçus pour le chéri. Et le dernier qui me manquait, finalement je vais le recevoir parce que j'ai annulé ma commande et je l'ai recommandé sur Amazon. J'ai pris les 30 jours d'essai gratuit là pour premium, là, mais je vais l'arrêter avant. Mais c'était pour le recevoir en fait à temps pour Noël. Du coup je le recevrai samedi le dernier cadeau, mais voilà, c'est vraiment le dernier dernier. Là je viens de terminer le paquet. J'ai monté le vlog d'hier. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai rangé un petit peu, j'ai pas terminé. Le petit s'est endormi là devant la télé parce que ce matin il s'est levé à 5h30, donc là il était fatigué, donc je le laisse dormir et il dormira ben, jusqu'au moment du repas. D'ailleurs je vais pas tarder, je vais aller ranger ma cuisine puis je vais aller faire à manger. Le cadeau du chéri, un des cadeaux du chéri, voilà. Je me suis appliquée pour l'emballage. Donc voilà, je vais aller cacher ça et puis voilà. Puis je vais aller faire à manger. Coucou les amis, on se retrouve au moment du repas. Donc j'ai fait des coquillettes avec une crème à la vache qui rit avec du jambon. Et là je vais aller mettre au four pour que ça gratine. En même temps j'ai commencé hop, une petite sauce bolognaise pour des lasagnes pour ce soir. Comme ça je prends de l'avance. Vu que bébé dort, je suis assez tranquille. Voilà. On va se régaler. Mais ça, ça m'a l'air hyper bon. C'est une recette que j'ai trouvée dans un livre sur le site de YouBox. Vous savez, je vous en ai parlé. C'est un truc qui vous permet de lire plein de livres, en fait, d'avoir accès à plein de livres via un abonnement. Et du coup, il y a plein de livres de cuisine. Dans un livre de cuisine, j'ai vu cette recette-là que j'avais envie de tester. Donc, on verra après si c'était bon, mais ça m'a l'air pas mal. Donc, on est en train de faire un dessin avec... enfin, un atelier dessin avec Aaron. Et regardez ce qu'il m'a fait. Je suis en train de faire mon bullet journal. Oh non! Mais... ouais. Tu m'as dessiné dessus. Bon, c'est pas grave. Je vais... oh non! Je vais essayer de rattraper ça. Même si je sais pas comment je vais faire. Oh non, non, non. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux continuer à dessiner. On nettoiera les mains après, mon cœur. Et je regarde la série en même temps. Non, non, non. Non, pas la tétine. Prends le cochon si tu veux. Ça, c'est à ma main. Faut pas toucher. Maman ? Ma main, oui. Oh. Ah ! T'as mis la tétine au cochon, fais voir. Ah oh, non. Tu mets la non. tétine au cochon, regarde. Mets la tétine au cochon. Voilà. Voilà, bon, on va continuer. Oh, coucou les amis, je vous reprends beaucoup plus tard. Il est 11h du soir. Le petit a mis beaucoup de temps à se coucher ce soir parce qu'en fait il a fait deux siestes aujourd'hui, dont une de 5h de l'après-midi à 7h du soir. Donc du coup ce soir c'était un peu compliqué. Bon, je l'ai pas obligé à aller se coucher, j'ai laissé dans sa chambre, il a mis beaucoup de temps à s'endormir. Mais bon, il n'y a pas eu de scène ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il a été un peu loin à dormir le pauvre. La petite aussi évidemment est couchée. Bon, aujourd'hui c'était vraiment une journée tranquille. J'en ai profité pour travailler, enfin, j'ai bien avancé sur mon bullet journal. Donc je vais vous montrer un petit peu. Et puis voilà, après je vais aller me coucher. Puis demain je vais vous reprendre. Et ça sera dans la même vidéo que ce vlog là. Voilà, ça vous fera un vlog moyen comme ça. Donc je vous remontre parce que j'ai rajouté les couleurs du coup sur la page que je vous avais montré hier. Donc c'est la page des livres à lire. Je rajouterai les titres et je colorierai les livres quand j'aurai lu les livres. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas mis de titre. Hier, il n'y avait que Stitch qui était coloré, donc j'ai colorié les autres petits accessoires. Ensuite, j'ai fait cette page-là, donc les films à voir. Alors, en fond, là, je vais mettre au stabilo, je vais m'en occuper tout de suite d'ailleurs, on oublie. Ces lignes-là, comme ça, ça m'a pris un temps fou
à faire. Mais vraiment, j'ai dû mettre une heure juste pour faire ça, au moins, je pense. Et j'ai commencé, hop, la page des séries. Alors moi, j'ai bien aimé cette présentation, je l'ai vue sur Pinterest, je m'en suis un peu inspirée, bon, je l'ai adaptée. J'ai pas... Alors, le truc, c'est que je me demande, c'est si je vais pas le faire sur 4 pages, en fait. Parce que là, j'ai mis quelques séries que je regarde en ce moment, mais il y en a beaucoup d'autres, en fait. Alors, du coup, je sais pas si je sens vraiment sur les grosses séries ou si je les mets toutes. Je sais pas du tout. Je pense que je vais me laisser 2 autres pages vides, parce que j'aimerais bien que toutes les séries soient au même endroit, et à mon avis, je vais en découvrir d'autres encore dans l'année. Donc, je pense que je vais me laisser la place. Je pense que je vais me laisser 2 autres pages derrière. Donc là, cette page, elle est quasiment finie. Il me manque le titre à faire. Donc, il faut que je fasse une jolie écriture pour les titres. Et voilà, j'ai compté tous les épisodes. Enfin, j'ai compté, ouais, j'ai fait nombre de cases, nombre d'épisodes qu'il y a. Il faut que je complète forcément où j'en suis dans les séries. Je vais le faire avec des couleurs pour que ça soit plus sympa. Donc voilà, il me manque ça à faire. Il me manque après-demain ça, mettre les couleurs, le titre. Et ici, le stabilo, ça, je vais le faire tout de suite. Mais voilà, j'ai bien avancé, je suis contente. Et du coup, là, je vais laisser une page de vide et pas mal de temps à faire. Attends, c'est pas du tout parfait, mais ouais, je suis contente. C'est vraiment ce que je voulais comme rendu. Vous direz votre avis en commentaire. Donc voilà, je pense que je vais aller me coucher. Même si j'ai encore envie de faire mon bullet, mais je vais aller me coucher parce que c'est tard. Que demain, je vais sûrement me lever tôt encore. Demain, c'est le dernier jour d'école de Kayla avant les vacances. Et du coup, Aaron va à la crèche aussi. Donc moi, ça sera vraiment une journée tranquille demain aussi. Samedi, on doit aller voir un spectacle de magie avec la petite. Je sais pas si je prends Aaron encore, on verra. Et du coup, dimanche après, mais c'est les fêtes. Donc voilà, c'est cool. Ça va vite, vite passer. J'ai hâte même. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Oh, c'est l'autre lit. Ah, super. Tu vas pouvoir faire des lits superposés. Ou tu peux les mettre à côté. C'est toi qui décides. Il est au-dessus. Ouais. Coucou tout le monde, on se retrouve un peu plus tard, il est 11h, j'ai amené les petits, ben, Kayla à l'école et Aaron à la crèche. Là je vais pas tarder à manger, je vais manger des restes de lasagne que j'avais faite hier. Je me suis mis ce matin, bon j'ai fait quelques petits trucs sur l'ordi, j'ai répondu aux commentaires, j'ai fini la planification de mes vidéos. J'ai passé une commande sur François Dire, mais je vous la montrerai quand je l'aurai reçue. Nouveau petit livre à lire, comme si je n'en avais déjà passé, mais bon bref. J'ai profité parce qu'en fait on a les points fidélité jusqu'à la fin décembre. Et moi j'en avais 100 donc je pouvais commander un livre gratuitement. Ensuite, donc je me suis mis sur mon bullet journal, j'ai regardé la série Lucifer en même temps. J'accroche plutôt bien à cette série, c'est une série un peu policière, il y a des enquêtes. J'aime bien le personnage de Lucifer, il est marrant. Alors j'aime pas trop le nom de la série parce que je suis pas très fan des trucs qui touchent à Satan et tout ça, ça me fait toujours un peu flipper. Mais franchement elle est pas mal. Je vais vous montrer où j'en suis du bullet. Je vais vous montrer hier, j'avais fait cette page là. Donc là j'ai finalisé, j'ai tout passé au stylo, j'ai mis à jour les épisodes où j'en suis de chaque série. J'ai fait la deuxième page qui est vide parce que je sais qu'il y a d'autres séries que je vais regarder et du coup j'aurais besoin largement de ces 4 pages de série. Et hier soir j'ai fait ça, je l'ai fait jusqu'à 2h du matin. Alors je suis un peu déçue au niveau du rendu, je sais pas ce que vous verrez mais voilà. En fait c'est ma collection de DVD Disney, du coup j'ai colorié tout ce que j'ai et j'ai laissé en blanc ce que je n'ai pas. J'ai fait des genres de têtes de Mickey, alors ça c'était un peu compliqué mais bon voilà. Je regrette en fait de ne pas avoir fait une seule couleur en fait pour colorier les têtes. J'ai voulu faire multicolore mais je trouve que ça fait trop de couleurs en fait. Donc mais bon c'est pas grave, c'est fait, c'est le truc du bullet journal, hein, c'est comme ça. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc je suis contente et là je vais attaquer du coup une nouvelle page. Je vais faire la page des choses qui me font du bien. Donc voilà, je suis assez contente, le bullet a bien avancé là ces derniers jours. Surtout la page de série, j'adore. C'est la page des films à voir que je vous ai montré hier et la page des livres, voilà. Et après c'est les citations. Voilà, les citations j'en rajouterai peut-être plus tard. Voilà. Je vais manger puis je reprends mes dessins. Aujourd'hui c'est vraiment une journée repos et calme. C'est extrêmement rare que j'ai pas en fait des tonnes de choses à faire. Et que j'ai pas à aller courir d'un côté de l'autre pour aller récupérer les enfants ou je ne sais quoi. C'est vraiment... ça fait du bien. Si je pouvais avoir plus de journées comme ça, ça serait cool. Ça fait du bien d'avoir du temps que pour soi, pour faire ce qu'on a envie. De ne pas avoir de bruit parasite autour de nous. Et c'est pas évident quand on est maman parce qu'on a très peu de temps pour soi. Hein. Franchement,
part quand les enfants vont à l'école, mais moi, Ron, il va pas à la crèche tous les jours. Et c'est encore pire pour les mamans qui travaillent. Moi, je le sais, quand je travaillais, c'était encore pire parce que du coup, le peu de temps que j'avais à la maison, ben, j'avais forcément mes enfants, vu que le reste du temps, ils étaient à l'école ou à la crèche. Et j'avais très très peu de temps pour moi, si ce n'est le soir quand ils dorment. Et le soir, en général, on est KO, quoi. On fait pas grand chose à part se coller devant la télé. On peut pas sortir, on peut pas. Enfin voilà, un peu dommage. Voilà, donc ça fait du bien de temps en temps d'avoir des petites journées comme ça. Aujourd'hui, vraiment, c'est une journée récupération, comme j'appelle ça, vraiment une journée pour moi. Et c'est fou ce que ça fait du bien, vraiment. Là, je me sens hyper détendue, hyper zen, hyper cool, quoi. Et voilà, je vais manger au calme devant une série télé. C'est super. C'est trop bien. Là, il va dire je suis une maman indigne, je suis contente quand mes enfants sont pas là. C'est pas du tout ça, j'adore voir mes enfants avec moi, mais de temps en temps ça fait vraiment du bien d'avoir le calme, comme je vous le disais, de pas avoir à gérer plein de choses. Moi j'ai toujours beaucoup de choses à faire et c'est très rare que j'arrive à me poser. Je pourrais toujours faire des choses chez moi, c'est ça mon problème, c'est que on a toujours des choses à faire dans un appartement, dans une maison, des tâches ménagères ou d'autres choses pour nos projets personnels, ou enfin voilà, on peut toujours s'occuper. Et moi j'ai beaucoup de mal à me poser et à dire non, c'est bon, là tu te détends, ou tu fais du dessin, ou voilà, ou tu regardes simplement la télé. J'ai beaucoup de mal, mais maintenant voilà, j'essaye de me l'imposer de temps en temps parce que ben, au final ça me fait du bien et voilà, je pense que c'est nécessaire d'avoir des moments de. Voilà, comme ça. En plus, là, c'est juste avant les vacances scolaires. Donc, voilà, c'est un peu comment dire? Les vacances scolaires, moi, j'ai beaucoup de parents autour de moi qui sont là. C'est les vacances scolaires. Je vais galérer, quoi, en gros. Moi, je suis pas trop dans cette idée-là, même si je sais que ça va être pas forcément des vacances pour moi, pour le coup, parce que, justement, on a les enfants, il y a beaucoup d'activités à la maison. On essaie de sortir, on essaie de profiter. Du coup, c'est vrai que c'est pas vraiment du repos pour les parents. En règle générale, mais après je me dis c'est aussi l'occasion de passer des moments, aussi de passer des journées avec les enfants, rester à la maison, faire des activités avec eux ou même aller dehors, enfin voilà. C'est un peu le moment de profiter en famille aussi, donc bon, c'est sympa quand même, puis ça passe relativement vite. Moi Aaron il a pas la crèche juste la semaine prochaine, donc la deuxième semaine il ira à la crèche. Et c'est plutôt cool parce que comme ça je pourrais passer des moments juste avec Kayla, on pourra aller au magasin que toutes les deux et tout ça, donc je suis méga contente. Et après Aaron je passe souvent des moments qu'avec lui parce que il va pas tous les jours à la crèche et Kayla elle va toujours à l'école, donc c'est pour ça. Kayla elle a moins de moments tout seul vu que ben forcément ça va à l'école tous les jours. Mais voilà, donc c'est bien les vacances, ça permet d'équilibrer un petit peu les choses. Le chéri aussi est en vacances, enfin il est en vacances, il est pas vraiment en vacances, surtout que sa boîte, la boîte où il bosse ferme. Donc du coup ben, la semaine prochaine il ne travaille pas. Donc c'est bien, on pourra essayer de faire des trucs en famille, ça va être cool. Voilà, bon c'est mon manger est chaud, je vais aller manger. Oh, coucou les amis, on se retrouve un peu plus tard. Je vous reprends pour vous dire qu'il n'y aura peut-être pas trop d'autres images aujourd'hui dans le vlog. Je vous refermerai peut-être ce soir les enfants, je vais voir. Mais là je suis pas. Je suis plus contente de mon humeur que tout à l'heure. En fait, j'ai une tante qui m'a appelée pour me dire que mes cousines, une de mes petites cousines en fait était malade. Donc je ne vais pas m'étaler. Je vous en reparlerai peut-être, mais là pour l'instant, voilà, c'est tout frais. Elle a une maladie qui est très rare et voilà, c'est quand même grave, donc voilà, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et pour l'instant elle va bien, c'est relatif, mais voilà. Donc voilà, je veux pas, je vous en reparlerai de toute façon, mais voilà, je suis dégoûtée. Et en même temps, quand ma tante m'a appelé pour me dire ça, au début j'ai eu peur que ça soit plus grave encore. Et parce que je voyais que ça allait pas et j'ai cru qu'elle allait m'annoncer vraiment une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, mais je pensais que ça allait être encore pire. Du coup, je me dis, faut relativiser. Voilà, elle peut guérir, elle peut se faire opérer. Même si c'est très compliqué parce que ça coûte très cher et qu'ils ne font pas en France son opération. Enfin, bref, je vais pas m'étaler là, je vous en reparlerai peut-être plus tard, on verra, mais voilà. Du coup c'est pas, voilà, c'est pas une très bonne nouvelle, c'est un peu, la santé franchement c'est un truc, on n'a pas le contrôle dessus et c'est juste horrible quoi, parce qu'on se rend compte que du jour au lendemain il peut se passer des trucs très graves et voilà, ça fait peur. Je vais pas m'étaler là, je vous en reparlerai de toute façon peut-être plus tard. Mais là je pense que je vais peut-être essayer d'aller dormir un peu et voilà. Je vais me reposer jusqu'à ce que je récupère les petits. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure.